Bonjour, aujourd'hui je vous présente une recette de pavé de saumon au miso, laqué au miel dans l'air fryer, et c'est une recette assez facile. Dans un petit bol, je vais déposer un quart de pâte miso, maintenant un quart de tasse de miel, le fumi fury cake, et l'huile de sésame. Mettre un peu de poivre et je vais bien mélanger le tout. Pour la sauce, dans une petite casserole, je vais déposer l'autre quart de tasse de pâte miso, l'autre quart de tasse de miel, ainsi que la cuillère de fumi fury cake. Et je mélange. J'ajoute maintenant la sauce soya ainsi que l'eau. Et je finis par tout mélanger. Je vais faire chauffer pour tout chauffer ça. Donc, juste mijoter un petit peu, mais pas longtemps. Ma sauce est en train de chauffer. J'ai placé mes pavés de saumon dans un bol en silicone parce qu'il est facile à prendre, mais vous pouvez le déposer directement dans votre panier. Alors, je vais badigeonner généreusement du mélange et je vais le placer pour 6 minutes. Mais à 3 minutes, je vais le tourner. Il va être à 375 degrés Fahrenheit ou 190 degrés Celsius. Le 3 minutes est écoulé. Je vais tourner mes pavés de saumon. Ils sont beaux. Et je vais les badigeonner avec l'autre moitié qui me restait de mélange et je retourne pour un autre 3 minutes. Alors mon temps est écoulé, c'est très beau, magnifique, la cuisson est parfaite. Nous on aime ça un petit peu rosé à l'intérieur. Là nous allons maintenant au service. Nous sommes rendus au service maintenant. Nous avons servi ça avec des okras revenu dans le beurre, ainsi que du riz. Et nous, on s'est servi de la peau du saumon pour le mettre dans le air fryer pour le faire rôtir. Ça fait comme un pavé qui est croustillant. J'ai la sauce maintenant que je vais verser. Voilà, c'est un délice pour l'œil et surtout pour le goût. Et Julia Child vous aurait dit: bon appétit!